Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici à Sèvres pour ce deuxième webinaire de cette série qui est consacrée, vous le savez, au métier de France Éducation Internationale, série qui s'inscrit dans le cadre de la célébration des 75 ans de l'établissement. Vous le savez, le Centre international d'études pédagogiques a été créé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par Gustave Monod. Inspecteur général de l'instruction publique, il était convaincu de la nécessité d'adosser les réformes éducatives à la comparaison internationale des systèmes éducatifs. Lieu de rencontre et de réflexion, l'établissement a développé ses activités tout au long de ses 75 années dans le domaine de la coopération éducative à l'international, de la didactique du français langue étrangère, mais aussi de la mobilité des enseignants et des étudiants. Aujourd'hui, l'établissement coordonne et accompagne les actions des opérateurs du ministère de l'Éducation, ainsi que celles des partenaires autour de projets éducatifs à l'étranger. Il est en quelque sorte, comme on le dit, l'opérateur pivot de cette coopération éducative internationale du ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports. Pour que son nom reflète davantage ses missions, il a changé de nom. En 2019, il est devenu France Éducation Internationale. Alors, nous avions prévu initialement, cette fin d'année, de réunir nos partenaires à la Sorbonne afin de célébrer ses 75 ans. Hélas, trois fois hélas, les conditions sanitaires nous ont contraints à décaler cet événement et à concevoir un autre format pour marquer cet anniversaire. Et donc ainsi est née cette idée de vous proposer cette semaine de webinaire autour de nos différents domaines d'expertise. Petite question de méthode avant de passer la parole à nos collègues du département évaluation et certification. Vous êtes invités, vous le savez, pour poser toutes vos questions à le faire dans l'onglet Questions qui se trouve à la droite de votre écran. Notre gestionnaire de dialogue les réunira et les soumettra à nos intervenants à la fin de leur échange. Et attention à ne pas confondre l'onglet questions avec l'onglet chat. Hein, celui-ci sert uniquement à saluer, à faire des commentaires. Voilà, et puis nous vous proposerons aussi de répondre à un ou plusieurs sondages que l'on publiera dans l'onglet sondage. Voilà, j'ai été trop bavard. Je donne la parole à Romain Chrétien, responsable communication et promotion du département évaluation et certification. Et surtout, je vous souhaite un très bon webinaire avec le département évaluation et communication. Merci beaucoup. Merci Pascal. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc dans ce webinaire qui vous est proposé par le département évaluation et certification sous le titre Passer les épreuves du DELF, du DALF ou du TCF depuis son domicile, enjeux et défis. Ce sujet vous sera présenté par Bruno Maigre, directeur du département évaluation et certification à France Éducation Internationale. Nous l'écouterons dans quelques instants. Donc moi, je suis Romain Chrétien, comme vous l'a dit Pascal, responsable communication au département évaluation et certification. Et mon rôle pendant ce webinaire sera de poser toutes les questions que vous vous posez sur cette thématique. J'adresserai donc ces questions à Bruno Maigre. Pour cela, je me suis fondé sur toutes les questions que nous avons reçues ces derniers mois. Bien entendu, vous êtes aussi invité donc à compléter mes questions par les vôtres si vous souhaitez des précisions ou aborder d'autres aspects. Pour suivre vos questions et vos réactions, il y aura donc très cachée mais bien présente Marie Rabin. Bonjour Marie. Marie Rabin est responsable projet au département évaluation et certification et donc c'est elle qui est présente dans le chat et dans l'onglet questions. Bien, je le répète, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous essaierons d'y répondre à la fin de la présentation, dans le temps qui nous est imparti. Nous sommes tous les trois ravis de vous retrouver. Vous êtes très nombreux, pratiquement déjà 400 connectés. Donc, ravis de vous retrouver et nous pouvons débuter ce webinaire.
En guise d'introduction, je préfère immédiatement recontextualiser le sujet et nos certifications. Je vais partager ce petit support, voilà. Je vous rappelle donc que France Éducation Internationale est un opérateur public de l'État qui a pour mission, entre autres, de gérer les certifications de français langue étrangère du ministère de l'Éducation nationale. Le DALF sont des diplômes d'État encadrés par des arrêtés, des décrets. Le TCF est un test, lui, aussi encadré par des textes, des décrets et des circulaires. Avec près de 700 000 candidats, les diplômes DELF, DALF et les tests TCF sont donc les certifications de français et langue étrangère les plus passées au monde. Elles sont présentes dans 172 pays grâce à un réseau composé de plus de 1250 centres d'examen. Et j'ajoute une donnée non négligeable, plus de 13 000 sessions ont été organisées en 2019 dans les centres de passation du DELF-DALF et du TCF. Un suivi considérable pour le département évaluation et certification, mais surtout un travail colossal réalisé par les établissements agréés qui constituent notre réseau de partenaires. Et puis, la crise sanitaire a frappé l'année 2020 et nous a tous touchés. Les impacts sont considérables sur les sessions. De nombreux centres d'examen ont été contraints de fermer leurs portes, d'annuler les sessions. Et parfois même, dans certaines régions du monde, ce sont toutes les sessions de l'année 2020 qui ont dû être suspendues. Aujourd'hui, beaucoup de candidats restent encore dans l'attente d'une session, souvent de manière urgente, puisque vous le savez, des enjeux très importants sont liés aux certifications. Par exemple, les candidats entament des démarches administratives et doivent rapidement fournir une preuve de leur niveau de langue, ce qu'ils ne sont pas en ce moment en mesure de faire, en tout cas pas de la manière la plus simple. Durant cette crise, France Éducation Internationale a été régulièrement sollicitée par les centres agréés, les services culturels des ambassades de France, par exemple aussi, qui gèrent le DELF-DALF à l'étranger, directement par les candidats également, afin d'étudier la possibilité d'aménager les modalités de passation. Le terme télésurveillance ou proctoring est alors apparu au cœur de tous les débats, notamment dans les milieux éducatifs et universitaires. Alors, je me tourne tout de suite vers Bruno pour lui donner la parole. Je lui pose une première question. Bruno, de quoi parlons-nous exactement ? Pourrais-tu nous expliquer ce qu'est une passation à domicile avec un système de télésurveillance pour être bien précis et définir de quoi nous parlons? Bonjour, bonjour à tous. Je suis très heureux de participer à ce webinaire et de voir autant de monde connecté autour de cette thématique très importante. Alors, évidemment, nous allons parler évaluation, mais nous allons surtout parler évaluation qui conduit à une certification, car évaluer sans certifier, nous savons déjà le faire, et nous à distance, hein, bien évidemment, depuis son domicile. Nous le faisons avec un test qui existe depuis quelques années déjà, qui s'appelle EvaLang, et qui fonctionne très bien. En revanche, nous n'évaluons pas encore pour certifier à distance, et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, puisque la passation d'une certification à distance comprend bien évidemment d'autres paramètres beaucoup plus sérieux qui vont venir encadrer la passation. Donc une passation à domicile, une passation à distance, se repose sur deux outils centraux. Le premier, c'est une plateforme de passation qui va permettre aux candidats de passer son examen ou son test depuis son domicile, par exemple, mais il devra également être soumis à une surveillance de la part de France Éducation Internationale pour continuer à garantir l'équité de traitement de l'ensemble des candidats et bien évidemment la fiabilité des résultats que nous allons délivrer. Donc, en plus de cette passation de cet outil de passation, nous aurons besoin d'un outil de proctoring, de télésurveillance, qui est un ensemble d'une plateforme web, full web, avec un système de télésurveillance qui va sécuriser la session avec des caméras, avec des prises de photos et avec, même pour certaines solutions, la mise en place de l'intelligence artificielle pour détecter des éléments atypiques dans la pièce où se trouve le candidat. Des mouvements atypiques, des bruits bizarres, des déplacements, des objets suspects. Bref, ça peut aller même jusqu'au mouvement des yeux qui pourront paraître éventuellement suspects pour
dans le cadre de certaines passations. Bien évidemment, la mise à disposition de ces outils présuppose la mise de côté, du moins temporaire, de tous les outils que vous connaissez, que ce soit les versions papier, hein, je préfère le préciser, tout comme les actuelles applications du type TCF sur ordinateur. Merci Bruno. Et quels sont les enjeux de l'utilisation de la télésurveillance dans le domaine des certifications ? Alors, les enjeux sont très importants parce que, comme tu l'as rappelé, Romain, nos certifications sont toutes, absolument toutes, encadrées par des arrêtés, par des décrets, par des circulaires ministériels, souvent, et ou par des décisions qui sont issues, par exemple, d'un marché que nous avons remporté. Et il nous est important de pouvoir répondre aux commandes qui nous sont faites dans le cadre le plus strict d'une session d'examen classique telle que nous l'entendons actuellement. Donc, le service de télésurveillance est absolument indispensable à ce dispositif pour répondre aux attentes des commanditaires, de nos tutelles, mais également des besoins du public qui va devoir passer, par exemple, un examen pour obtenir un visa permanent dans un pays, par exemple le Canada ou la province du Québec, pour pouvoir entrer dans une université, pour obtenir la nationalité française ou pour obtenir, comme c'est le cas en France maintenant depuis 2016, une carte de résident de 10 ans sur le territoire national. Donc, il va falloir pour nous qu'à distance, nous puissions vérifier l'identité du candidat, que nous puissions surveiller le candidat lui-même pendant l'examen, comme je l'expliquais tout à l'heure, que nous puissions surveiller l'ordinateur du candidat pour qu'il ne puisse pas avoir accès à des sites extérieurs à la plateforme que nous lui proposons, la mise en place de webcams avec des angles à 360 degrés, et aussi, chose très importante pour nous, sécuriser au maximum nos sujets pour éviter la fuite de nos sujets, car vous le savez, au DELF-DALF et au TCF, il n'y a pas d'anal puisque les sujets ne tombent pas dans le domaine public après la session. Cette solution, elle est absolument essentielle. La mise en place d'une solution de passation à distance est un défi très important pour France Éducation Internationale. Nous allons répondre à cette demande prochainement, je l'espérons, mais nous allons revenir sur ce point un peu plus tard. Et il est évident que nous avons pris pleinement conscience, comme tu l'as dit dans ton introduction, Romain, des difficultés que les centres et que les candidats eux-mêmes ont rencontrées durant cette crise Covid. Alors Bruno, je reprends une question qui nous a très souvent été transmise également. Les universités françaises, notamment, ont rapidement réussi à mettre en place la télésurveillance pour leurs examens du mois de mai ou du mois de juin de 2020. Pourquoi pas nous ? Alors, les universités, et c'est vrai que c'est une comparaison qui a souvent été faite, nous nous sommes, et on peut s'inspirer de ce que les universités ont mis en place. Il est évident que pour nous, il y a des éléments très intéressants qui sont ressortis de ces expériences, mais on peut difficilement comparer la mise en place d'une télésurveillance et d'une passation à domicile pour une université avec ce que nous mettons en place dans l'ensemble des pays du monde. Lorsqu'on passe un examen universitaire, on est rattaché à une université et il s'agit d'évaluer une centaine de candidats et généralement sur un seul territoire, la France en l'occurrence, si tu prends cet exemple, puisque ça s'est passé aussi en France dans certains établissements. Mais pour nous avons besoin de développer une solution technique beaucoup plus performante qui va permettre de fonctionner dans le monde entier. Je me réfère encore aux chiffres que tu as annoncés. 13 000 sessions, 700 000 candidats, 174 pays, un réseau de plus de 12 000 centres d'examen et encore, on ne comptabilise pas les lieux de passation parce que là, on arriverait probablement à plus de 10 000. Donc, nous avons besoin d'une solution qui permette une,
une télésurveillance vraiment très très fiable pour l'ensemble de cette, pour cette configuration qui est quand même très spécifique. On est ici dans une évaluation de cohorte, de masse. Il est aussi important de prendre appui sur les décisions ministérielles, puisque là encore, la mise en place de cette solution que nous souhaitons et que nous mettrons, que nous allons proposer au courant de l'année 2021, présuppose une reconnaissance d'abord de nos tutelles. Par exemple, lorsqu'on passe un TCF pour obtenir la nationalité française ou une carte de résident, il va falloir que le ministère français de l'Intérieur accepte que nous puissions mettre en place une modalité de passation à distance. En fait, il va falloir qu'il accepte que le candidat puisse passer son examen à domicile. Et pour ça, nous allons devoir, nous, apporter les garanties au ministère que le candidat passera bien son test dans les conditions identiques à celles qui auraient lieu dans un lieu de passation. On nous pose également souvent la question, pourquoi ne pas avoir mis en place un contrôle continu. Et là encore, FEI est un opérateur, et si nous mettons en place ce genre de solution, il faudrait mettre en place cette solution dans l'ensemble des pays du monde pour, là encore, assurer l'équité de traitement des candidats. Et un dernier point qui est aussi important, c'est tout ce qui concerne la sécurité et la protection des données personnelles. Je vous ai dit tout à l'heure que la passation à partir d'une plateforme présuppose le blocage de l'ordinateur du candidat à distance, et ce qui pourrait aussi pouvoir supposer que, de façon mal intentionnée, on pourrait aussi rentrer dans l'ordinateur du candidat pour rentrer dans ses fichiers personnels, ce qui n'est bien évidemment pas envisageable. Et pour ça, nous devons aussi apporter des garanties auprès de nos autorités locales en matière de respect des données personnelles. Bruno, pourrais peut-être tu faire un point précis sur la réflexion qui est en cours au département évaluation et certification? C'est un important projet. Où en est-il, ce projet, concrètement? Alors, ce projet, d'abord, des solutions existent. Des solutions existent. Plusieurs solutions existent, puisque plusieurs opérateurs, et on y verra tout à l'heure, j'imagine, ont déjà mis en place cette modalité de passation. Plusieurs solutions existent, mais nous devons, comme je te le disais, avoir toutes les garanties nécessaires pour pouvoir le mettre en place, le déployer et venir auprès de nos tutelles pour obtenir les agréments nécessaires. Je le répète encore, cette volonté de notre part est très forte et nous avons déjà entamé ce chantier. Alors, nous avons d'abord édifié un modèle de gestion et de distribution. Nous avons pu faire ce qu'on appelle du sourcing, c'est-à-dire que nous sommes allés voir plusieurs entreprises, je ne vais pas les citer, mais il y en a un peu plus de 5 qui ont été contactées par nos soins, des sociétés françaises et européennes, qui ont été contactées pour voir quel type de solution elles pouvaient nous apporter. Nous avons pu également comparer des solutions techniques, notamment en matière de vérification des identités, de lutte contre les fraudes et de sécurisation de nos sujets. Toutes ne proposent pas le même degré de qualité, le même degré de surveillance, et nous avons pu déjà les comparer et retenir, parmi celles que nous avons entendues, certaines qui ont des solutions plus avancées que d'autres, mais qui vont de toute manière nécessiter des développements par rapport à nos besoins. Et elles sont en train de travailler dessus. Certaines, d'ailleurs, ont déjà commencé à développer et ont des propositions à nous faire. Nous avons également recueilli des témoignages d'utilisateurs qui ont passé des tests que l'on peut déjà proposer à distance de la part d'autres partenaires, d'autres organismes certificateurs. Nous avons également eu des échanges avec d'autres organismes certificateurs partenaires qui font partie d'une association à laquelle nous adhérons, qui s'appelle ALTE, l'Association of Language Testers in Europe, qui est l'association qui regroupe les plus gros organismes certificateurs européens. Alors, je peux citer l'Université de Cambridge, l'Institut Cervantes, le Goethe Institute, pour ne citer qu'eux, hein, mais on est plus de 35 membres.
dans cette association pour voir ce que eux font actuellement et quelles sont les modalités qu'ils ont mises en place durant cette crise Covid et ce qu'ils envisagent de faire dans l'avenir. Nous avons bien évidemment pris en compte les textes qui encadrent les données personnelles dont je parlais plus tôt et qui constituent un point de fragilité parce que tu le sais, Romain, en France, mais aussi en Belgique récemment, il y a eu plusieurs recours à l'encontre d'universités qui avaient mis en place des examens à distance et ces examens ont pu être annulés. Au Canada récemment, j'ai vu que les examens notamment de prestigieuses universités canadiennes au mois de décembre, en l'absence de solutions fiables pour le moment, mais on est optimiste et elles vont arriver très très prochainement parce que la recherche avance vraiment très vite, ces examens auront lieu en présence avant Noël. Et surtout, nous avons mis en place un comité de travail et de réunion stratégique avec nos tutelles, avec le ministère de l'Éducation nationale, avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Et un comité de travail a été mis en place avec le ministère des Affaires étrangères, puisque notre réseau de centres à l'étranger dépend quasi exclusivement et essentiellement du réseau des établissements culturels français à l'étranger. Et nous avons besoin, bien évidemment, d'être accompagnés par les affaires étrangères pour pouvoir déployer sereinement auprès de notre réseau cette solution. Et un peu à part, nous avons également, pour faire avancer notre débat et avancer dans nos recherches, mis en place un comité bilatéral avec nos collègues allemands de l'Institut Goethe. D'ailleurs, je crois qu'ils sont connectés aujourd'hui. En tout cas, je sais que deux d'entre eux participent à ce webinaire aujourd'hui et nous les rencontrons régulièrement, enfin, en tout cas à échéance régulière tous les mois, pour faire un point sur ce que nous envisageons parce que peut-être, pourquoi pas, aurons-nous une solution commune à proposer bientôt. Merci Bruno. Pour formuler ma prochaine question, je vais faire appel à mes expériences précédentes, puisque j'ai travaillé par exemple au Mexique, où j'ai géré aussi le DELF-DALF, hein, c'est un gros réseau, beaucoup de centres d'examen au Mexique. J'ai géré moi-même un centre DELF-DALF et TCF en Alliance française, en Institut français. Et pour me replonger dans mes souvenirs comme ça de gestion de centre et de session, il m'est un petit peu difficile d'imaginer très, très concrètement un système de passation à domicile télésurveillé déployé dans un réseau suivi par donc des centres d'examen qui ont parfois des ressources, des moyens techniques ou humains limités. Je m'interroge un petit peu voilà, sur quel sera le rôle de ces centres, quels seront les impacts en fait, de cette nouvelle modalité de passation à distance avec télésurveillance. Est-ce que ces impacts ont été mesurés pour les centres d'examen? Alors, ils sont bien évidemment pris en compte et comme je le disais auparavant, nous sommes en lien continu avec le ministère des Affaires étrangères, avec le ministère de l'Enseignement supérieur, bientôt, là, dans la semaine prochaine, avec le ministère français de l'Intérieur. Et nous avons bien conscience de cette crainte. Alors, tout d'abord, il me paraît important de dire que si nous ne proposons pas de solution de passation à domicile dans des contextes qui seront à définir, bien évidemment, et qui correspondront à, en l'occurrence, à des crises exceptionnelles, pas nécessairement sanitaires, mais en tout cas à des moments exceptionnels de la vie d'un candidat, nous allons devoir mettre en place cette offre supplémentaire, cette offre complémentaire devra venir de nous, puisque si elle ne vient pas de nous, elle viendra d'autres structures. Et nous préférons être alertes sur ce point-là et être toujours, bien sûr, en pointe des propositions que nous pouvons proposer aux centres. Les centres, même si cette solution devait exister, bien évidemment, auront un rôle central à jouer. D'abord, les centres d'examen sont la plupart du temps, et même quasi exclusivement des centres de formation, et doivent rester des lieux de rencontre autour, justement, de la formation. Que ce soit en France, par exemple, avec l'intégration de nos certifications dans le compte personnel de formation, puisque tu sais que depuis
très peu de temps, le français, enfin en France, est reconnu comme une compétence professionnelle, au même titre que l'anglais ou que l'espagnol ou que l'allemand. Et donc, les formations maintenant en français langue étrangère peuvent être financées dans le cadre pour un salarié, par exemple, qui peut faire valoir son compte personnel de formation. Donc, les centres ont un rôle à jouer très important autour de la formation du français langue étrangère. Mais les lieux, les centres d'examen sont aussi des lieux de rencontre autour de la culture. Certains ont des médiathèques à offrir, des services de ciné-club, une offre culturelle, une programmation culturelle. Bref, il n'y a pas que des examens dans ces centres-là, et la présence des étudiants et des candidats dans ces centres est essentielle pour leur proposer, je ne sais pas, par exemple, des formations complémentaires à la préparation à ces examens. Donc, pour nous, le rôle des centres d'examen, même avec une solution à distance, même avec une solution à domicile, est à maintenir. Et même si une partie de la télésurveillance, ou de la surveillance plutôt, se fait à distance. Le rôle des centres dans la mise en place d'une solution de passation à distance, il reste de toute façon essentiel autour de la communication, autour de la promotion des examens, de la planification des calendriers de session, puisque la notion de session, bien sûr, ne disparaîtra. Donc, les sessions devront être placées et continuer de placer sous la responsabilité de nos centres agréés. Les centres devront continuer à inscrire les candidats, bien sûr. Ils devront continuer à percevoir les droits d'inscription aussi, avec des systèmes de paiement. Je vais y revenir. Ils devront participer à la surveillance, à la télésurveillance, puisque en dehors de ces caméras, de ces prises de photos régulières, puisque pour certaines solutions, une photo sera prise toutes les 3 secondes du candidat, en plus d'une caméra qui sera en permanence allumée. Derrière cette caméra, il va falloir que l'on fasse appel aux ressources humaines des centres d'examen pour qu'ils puissent télésurveiller. Par exemple, un surveillant pourra aussi avoir un écran avec 6-8 vignettes correspondant à chacune à un candidat à surveiller. Donc, c'est une articulation qui est certes sensible avec cette nouvelle modalité, mais elle est absolument essentielle. En tout cas, même s'il s'agit d'une solution à distance, elle ne pourra pas être éloignée du rôle des centres et surtout de la nécessité pour nous, en tout cas, de prendre en considération ces éléments-là. Une chose importante toutefois, c'est que je me permets d'insister sur le fait que nous allons mettre en place et nous allons proposer un service de passation à distance, de passation à domicile, de télésurveillance. En revanche, on ne s'occupera pas de l'inscription et de la perception des droits. Et quand on parle d'inscription et de perception des droits dans un modèle de passation à distance, ça veut dire inscription à distance et paiement à distance. Et pour ça, les centres devront être équipés bien évidemment d'un parc informatique suffisant, correspondant à leurs besoins en matière de certification, mais devront aussi avoir déjà pensé au préalable à des modalités d'inscription à distance et éventuellement de paiement à distance ou en tout cas de paiement dématérialisé. Ne crois-tu pas qu'il y a tout de même un risque, le risque que l'examen télésurveillé devienne la norme ? J'ai bien entendu hein, tout ce que tu nous disais. Est-ce que tu assures que nous ne nous dirigeons pas vers la fin des passations en présentiel dans les centres ? Alors, non. Et de toute façon, tous les organismes certifiés, enfin, les rares organismes, parce qu'il y en a deux, à ma connaissance, organismes certificateurs qui ont mis en place des passations à distance, ils ont continué à proposer des passations en présence. J'insiste encore sur le fait que, qu'il s'agisse de passations à distance ou de passations en présence, on est toujours dans une optique et dans une vision d'une session. Il ne s'agira pas de pouvoir se connecter et de passer son test à n'importe quel moment de l'année ou de la journée. Autrement dit, le candidat aura un choix à faire entre une passation sur table ou un examen qui sera télésurveillé. Mais ce choix devra relever
bien sûr, d'un caractère exceptionnel. D'abord, ça sera volontaire, le candidat ne sera pas obligé. S'il ne veut pas passer un examen de chez lui parce qu'il ne le veut pas ou parce qu'il n'est pas équipé pour, bien évidemment, on ne pourra pas l'y obliger. Mais ça devra s'inscrire dans le cadre, en tout cas dans un premier temps, dans le cadre d'une période dans l'année qui serait exceptionnelle, parce que nous devons garantir bien évidemment la norme qui est celle souhaitée actuellement, en tout cas pour le moment, par nos tutelles, et cela nous a été clairement dit. La passation en présence dans les centres doit rester pour le moment la norme. Cette norme peut évoluer en fonction des situations que nous allons rencontrer. On en a rencontré une qui nous est arrivée vraiment par surprise, et nous devons absolument pouvoir nous mettre en ordre de bataille pour pouvoir répondre à ce type de crise, mais à d'autres types de crises, sachant que, bien évidemment, pendant cette crise, nous avons adapté également, notamment pour le DELF et le DALF, plusieurs modalités de passation, alors pas complètement à distance, mais en tout cas dématérialisées. J'entrerai pas dans les détails puisque les centres d'examen, certains ont pu en bénéficier, mais il a fallu mettre en place des protocoles particuliers qui permettaient en tout cas de ne pas avoir deux personnes dans la même pièce au moment de la passation. Ça va nécessiter pour nous de cibler justement et de circonscrire ces situations exceptionnelles pour mettre en place ces passations à distance dans des durées limitées, mais aussi dans des zones limitées, puisque nous devons également protéger les endroits où il n'y aura pas de passation à distance pour éviter qu'il y ait une fuite de candidats d'un pays à un autre, d'un centre à un autre. Donc, il faudra, là encore, que l'on puisse apporter des garanties nécessaires pour éviter un trop grand éclatement de nos candidats à travers le monde, afin de faire tomber les barrières, justement, des zones que gèrent les différents centres, et je pense tout particulièrement à nos centres du réseau culturel français à l'étranger. Donc, vous voyez, c'est une question qui est très sensible, et au-delà même des aspects techniques et des aspects informatiques, qu'ils relèvent ou pas de l'intelligence artificielle, nous devons penser à une logistique qui prend en compte tous ces aspects, jusqu'aux aspects, les aspects commerciaux, qui sont bien évidemment importants pour nos centres d'examen. Oui, merci Bruno. J'ai une autre question, toute proche bien évidemment. J'ai vu plusieurs articles publiés récemment sur la question de la valeur des certifications passées à domicile. On s'interroge sur ce point. Que pourrais-tu nous répondre sur ce sujet ? Quelle serait la valeur d'un DELF ou d'un TCF qui serait passé depuis le domicile du candidat avec un système de télésurveillance, bien sûr ? Alors, je rappelle la volonté forte de France Éducation Internationale de mettre à disposition une évaluation certificative à distance. Alors, vous dire si il s'agira du DELF, du DALF, du TCF ou d'une autre certification que l'on pourra mettre en place dans les moments particuliers dont je vous ai parlé tout à l'heure, tout ça, c'est encore à décider, mais nous avons déjà bien entamé notre réflexion. Il est important, en tout cas, que nous puissions faire cette proposition et apporter à l'attestation, au certificat, au diplôme, quel que soit le nom qu'il portera, que l'on délivrera à l'issue d'une passation à domicile, que cette valeur soit identique à celle du DELF, du DALF et du TCF dans le cadre des reconnaissances qui seront faites par nos tutelles. Je me permets de rappeler, là encore une fois, que France Éducation Internationale est un opérateur des pouvoirs publics, en particulier du ministère de l'Éducation nationale, mais nous répondons à des commandes institutionnelles d'autres ministères, qu'ils soient français ou étrangers. Et ensuite, c'est eux qui décideront si de la reconnaissance de ces passations ou de cet outil de passation à distance dans le cadre d'une immigration, d'une admission dans une université ou, par exemple, dans une mobilité internationale, voire professionnelle. Moi, je vois ce qui a été fait avec d'autres organismes certificateurs. Les agréments sont donnés
actuellement par les établissements d'enseignement supérieur, notamment anglo-saxons. Ça se fait au compte-gouttes. Tous ne reconnaissent pas un TOEFL, par exemple, actuellement proposé à distance. Mais certes, cette solution a le mérite d'exister, mais elle existe pour le moment, en tout cas, de manière assez restreinte. C'est noté, merci Bruno. Peut-être une question supplémentaire que tout le monde se pose bien évidemment. Est-ce que tu pourrais nous donner des échéances? Le DELF-DALF, le TCF passé depuis son canapé, j'exagère le trait, c'est pour quand? Alors non, tu n'exagères pas tellement le trait parce que le but ce sera ça. Alors passer devant sur un canapé, je ne sais pas si c'est le meilleur endroit, mais en tout cas… de son domicile, c'est une certitude. Nous avons une échéance qui sera celle de 2021, donc très prochainement, puisque je vous l'annonce, dès le mois de janvier, nous mettons en place un pilote, une expérimentation qui va toucher. Alors, on met en place une passation à distance avec l'un des partenaires alors que je ne vous ai pas cité, mais que nous avons rencontré, qui, d'après nous, pour le moment, a la solution la plus aboutie, qui va nécessiter encore des développements. Mais en tout cas, au niveau de la vérification de l'identité et de la surveillance des candidats à distance, ce pilote aura lieu au mois de janvier et de février, et nous en tirerons, j'espère, des conclusions. Alors, nous espérons également pouvoir trouver des failles, pouvoir trouver des dysfonctionnements pour pouvoir apporter des réponses très vite afin d'être en mesure justement de proposer une solution très rapidement. J'espère en tout cas avoir des propositions à vous faire avant le mois de juin 2021. Très, très bientôt. Donc, merci beaucoup, Bruno, d'avoir répondu à mes questions, et laissons place peut-être aux questions des participants. Je sais qu'elles sont très nombreuses. Marie Rabin est en train de vous lire et de me les transmettre. Merci, Marie. Et merci pour vos questions. Elles sont nombreuses et elles sont, pour la plupart d'entre elles, très pratiques. Nous sommes encore en pleine réflexion, vous l'avez compris, sur ce dossier. Alors, j'en ai une première pour toi, Bruno. Plusieurs questions se posent sur les déclinaisons du DELF. Est-ce que ce système sera applicable à toutes les déclinaisons? Et on pense, entre autres, au DELF scolaire, donc les établissements publics. Alors, pour le moment, il n'est pas question de mettre en place un DELF scolaire à domicile. Nous envisageons, comme je le disais, dans des périodes particulières, du moins dans un premier temps, de mettre en place une solution qui va plutôt s'orienter vers un test de français pour des demandes particulières qui relèvent d'enjeux sociaux importants que j'ai cités tout à l'heure. Mais pour le moment, la passation à domicile du DELF n'est pas envisagé. Je me permets de rappeler que le DELF est un diplôme d'État. Jusqu'à présent, le baccalauréat, qui aussi est un baccalauréat, n'est pas passé depuis son domicile. Donc, ce n'est pas pour le moment, en tout cas, un dispositif qu'on mettra en place, en tout cas, dans les prochains mois. Merci. Il y a beaucoup de questions. Marie Rabin est en train de répondre aussi à certaines d'entre elles. Elle me fait passer le petit message que ses réponses sont en train de charger parce que les questions sont si nombreuses qu'il faut quelques secondes, le temps que la réponse charge. J'en ai une autre, Bruno, qui m'est transmise ici. Le mot « triche », tu t'en doutes, revient très souvent dans les questions. Est-ce que tu as des exemples de modalités de vérification de l'identité du candidat pour éviter une fraude identitaire? Alors, les solutions qui nous sont proposées pour le moment reposent bien évidemment sur la présentation d'une pièce d'identité qui se fera au travers d'une caméra et sur les aspects, en tout cas les aspects techniques. L'intelligence artificielle et la reconnaissance faciale sera une des solutions qui sera proposée. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais en tout cas, les comparaisons entre différents points du visage, entre une pièce d'identité et un visage que l'on aura à l'écran, sera proposée. Alors, évidemment, on peut imaginer des situations extrêmes avec des candidats jumeaux, par exemple. Voilà, c'est des situations que nous devons contourner.
que nous devons prendre en compte et que nous allons très probablement devoir doubler d'autres types de vérifications qui vont compléter, en tout cas, ce que l'intelligence artificielle pourra dans un premier temps nous apporter. On s'inquiète aussi beaucoup dans les questions sur les aspects techniques, beaucoup de craintes sur d'éventuels petits bugs du côté du candidat, du côté de l'examen, utilisation ou pas de l'intelligence artificielle, triche encore une fois du candidat. Est-ce que tu aurais quelques éléments rassurants sur justement face à ces craintes techniques ? Alors, les craintes techniques, malheureusement, on n'est pas à l'abri à 100% d'un problème de déconnexion ou d'une coupure d'électricité. Il peut y avoir des bugs, mais comme je le disais tout à l'heure, nous allons devoir choisir une solution qui soit la plus fiable possible et qui puisse nous permettre autant d'apporter toutes les garanties en matière de vérification de l'identité du candidat, de protection des données, de sécurisation de nos sujets, mais aussi bien évidemment de fiabilité technique. Il va nous falloir une solution solide. Les prestataires auxquels nous pensons actuellement et avec lequel d'ailleurs nous allons conduire cette expérimentation au mois de janvier. Et d'après nous, celui qui a le plus d'expérience, donc j'imagine qu'il a dû penser et anticiper différents bugs. Après, on n'est à l'abri de rien, mais bien évidemment, nous apporterons la solution la plus complète possible également sur le plan technique. On s'interroge également sur la correction. La correction va-t-elle être dématérialisée par la même occasion ? Y a-t-il de nouvelles modalités de prévues ? Alors, oui, c'est une question très intéressante parce que la correction dématérialisée, alors elle l'est déjà pour le TCF sur ordinateur, puisque les candidats qui passent leur TCF sur ordinateur en présence dans les centres, nous traitons, alors tout se fait via Internet et puis on peut avoir et les centres qui sont présents aujourd'hui, j'en suis absolument certain, saluent notre réactivité dans la correction des épreuves. Donc, nous continuerons et nous avons une expérience très forte là-dessus depuis plusieurs années et nous allons puiser dans cette expérience pour en tirer les meilleures pratiques. Et là-dessus, j'ai vraiment pas de difficulté. Ensuite, on aura besoin, bien sûr, du concours des centres d'examen, puisque si nous avons besoin de passation de l'épreuve d'expression orale, je pense notamment à la nationalité française, à la carte de résident, au TCF Canada, aux épreuves du TCF Québec aussi, mais également aux exigences d'un certain nombre d'universités. Bien évidemment, nous aurons besoin d'examinateurs comme maintenant, et donc le candidat devra être évalué à distance au travers d'une caméra par les examinateurs dûment habilités par France Éducation Internationale, dans le cadre de la passation à distance. Et donc, bien sûr, cette passation, notamment de l'expression, également de l'expression orale, sera dématérialisée et assurée, en tout cas en grande partie ou en partie complètement, par les centres d'examen. On nous pose également une question sur le comité d'éthique. Y aura-t-il un comité d'éthique pour éviter des cas de dérive ? Est-ce que France Éducation Nationale a pris la tâche de la CNIL ? On connaît tous la RGPD. Je te transmets la question. Bien sûr, et nous avons pu suivre, comme tout le monde, l'actualité de ces examens qui ont eu lieu dans les universités, des recours de syndicats étudiants ou d'étudiants ou d'individuels. Et nous sommes très, très à l'écoute et très attentifs et très précautionneux sur ce genre de choses. Et il est évident qu'un opérateur public, un opérateur de l'État, ne peut pas se permettre de déroger à ces règles. Et bien sûr, nous avons déjà en interne des spécialistes du RGPD et de la CNIL. Nous avons des correspondants CNIL ici au sein de l'établissement et nous ne ferons rien tant que nous n'aurons pas toutes les garanties en matière de protection des données des candidats. Mais je le dis, et tu l'as dit aussi, Romain, dans ton introduction, il s'agit bien de passation volontaire. C'est un service qu'on offrira
selon des garanties particulières qui auront besoin de reconnaissance institutionnelle, mais également de la pleine adhésion du candidat. Il ne s'agira pas de forcer les candidats à utiliser des ordinateurs personnels s'ils ne souhaitent pas le faire. Merci Bruno. Je prends une question suivante. Il y a quelques craintes qui sont encore émises et pourtant tu as répondu à cette question, mais peut-être faut-il y revenir. Quelques craintes encore sur le paiement à distance. Si le paiement peut se faire à distance et l'examen à distance, quelle sera la pérennité des centres locaux ? On souhaiterait que tu reviennes sur ce point. J'ai pas très bien compris la question. Est-ce qu'il s'agit de la mise en place du paiement à distance, de la nécessité d'avoir un paiement à distance, c'est bien ça ? Comment pérenniser les centres locaux si le paiement se fait à distance, si toute l'activité est à distance ? Comment pérenniser les centres locaux ? Excuse-moi, il y a un élément qui doit m'échapper là pour pouvoir répondre. Je prends la question sur la crainte de perdre leur prérogative actuelle. Si le paiement se fait à distance. Oui, là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que là encore, dans un premier temps en tout cas, il va falloir qu'il y ait une phase expérimentale et ensuite un déploiement, mais qui nous servira aussi pendant plusieurs mois d'expérimentation pour voir comment on fait évoluer le dispositif. Mais si nous mettons en place ces modalités de passation à distance, il est évident qu'on n'est pas là pour vider les centres des candidats. Je le rappelle, la norme pour le moment, c'est la passation en présence, mais nous devons, c'est une quasi-obligation, nous devons répondre à des situations comme celles que nous avons connues récemment et que nous connaissons encore actuellement, même si le contexte est un peu meilleur, en tout cas dans certains pays il l'est, mais dans d'autres on voit bien qu'il ne l'est pas. Nous avons besoin en tout cas de compter sur les centres, et donc les centres continueront à fonctionner comme ils fonctionnent actuellement, mais il peut arriver dans des périodes exceptionnelles qu'ils soient tenus eux aussi de dématérialiser leur passation, de poursuivre leurs activités. En fait, nous, ce que nous leur proposons, c'est de continuer leur activité en période de crise en matière de certification pour ne pas justement perdre, de pouvoir continuer à offrir ce service à leur candidat. Donc, non, il n'y aura pas, je pense, de rupture. En revanche, il sera nécessaire, je ne sais pas si c'est aussi le sens de la question, que les centres soient au préalable équipés de paiement à distance. Je veux dire, si on demande aux gens de ne pas se déplacer pour venir passer un test, j'imagine qu'on ne leur demandera pas non plus de venir payer leur inscription dans le centre d'examen. Donc, c'est un tout, que ce soit l'inscription, le paiement, la passation, devra se faire de façon dématérialisée. Qu'il s'agit de virements ou de paiements par la poste, éventuellement, je ne sais pas, pour des méthodes un peu plus archaïques, mais si les centres bénéficient d'un paiement en ligne, pour répondre à ces situations exceptionnelles, je pense que ça va aller dans le bon sens. Des questions également sur les tarifs. Penses-tu que la télésurveillance aura un impact sur les tarifs des examens du DELF ou du TCF ? Impact donc soit en montant le tarif ou peut-être en pouvant le baisser ? Alors le baisser, je ne pense pas, parce que c'est des solutions qui coûtent cher, qu'on va devoir acheter et qu'on va devoir mettre à disposition des centres. En revanche, d'après les premiers éléments que nous avons, non, l'augmentation des tarifs, en tout cas, alors pas des tarifs publics, puisque nous mettons à disposition, je pense notamment au TCF, des centres, un test à un prix qui fixe, qui est notamment voté par notre conseil d'administration, et les centres d'examen vont ensuite le revendre à un tarif public auprès des candidats. Et cette augmentation, elle sera minime et elle ne sera pas très importante, parce que nous pourrons l'étaler sur le nombre de candidats, et je pense que nous aurons peut-être une solution qui sera un peu plus chère, parce qu'elle rendra des services à un bon nombre de candidats, mais elle va nécessiter de la part de France Éducation Internationale de se doter d'un outil qu'il devra bien sûr financer. Mais je rassure déjà les centres, l'augmentation ne sera pas importante.
On nous demande également des précisions sur l'année 2021, l'expérimentation et le lancement. Est-ce que cela concernera uniquement le TCF ou aussi le DELF-DALF? Alors, ça ne concernera ni le TCF ni le DELF-DALF, ça concernera la solution que nous mettrons en place. Donc, ça peut concerner le TCF, un TCF à domicile, ça peut concerner, comme je vous le disais tout à l'heure, une autre solution, une autre certification qui aura un autre nom ou un nom complémentaire au TCF. Enfin, voilà. Mais ça ne sera pas dans un premier temps, en tout cas, le DALF, en raison de sa facture et de la typologie de ces épreuves et de ces questions que je suis certain les participants à ce webinaire connaissent parfaitement et peuvent comprendre la difficulté que nous avons de mettre en place des examens. Alors, pour avoir beaucoup dialogué avec nos partenaires européens, avec Cambridge, notamment avec le Goethe et avec l'Institut Cervantes, tous les trois proposent des examens. Je pense aux examens du Deutsche Sprache Diplôme ou alors des fameux délais du Cervantes ou des examens de Cambridge. Il n'y a pas pour le moment de passation à distance, à domicile, pour les mêmes raisons, pour les mêmes difficultés que l'on rencontrerait pour le DELF-DALF, qui ne répondent pas à la logique d'un test comme on peut le connaître dans la facture et dans la typologie des épreuves du TCF. Une question sur l'épreuve de production ou expression orale, aussi bien test qu'examen. Qu'en est-il du rôle des examinateurs? Est-ce qu'il est prévu pour eux aussi une modalité de passation de cette épreuve à distance ou devront-ils être présents physiquement dans le centre d'examen? Alors, ils devront. Alors, là encore, la solution, nous ne l'avons pas encore de façon définitive, mais si nous mettons. Le centre agréé au cœur de ce dispositif, il nous paraît important que les examinateurs soient impliqués. Ensuite, qu'ils soient impliqués de chez eux ou du centre d'examen, c'est des choses que nous pourrons définir, mais voilà, a priori, on peut envisager même une télésurveillance à distance, mais après, ça va dépendre bien évidemment de beaucoup d'autres paramètres, du nombre de candidats, de la zone géographique où c'est mis en place, puisque même certains opérateurs, certains organismes certificateurs qui ont déployé des passations à domicile avec des certifications à plutôt faible, moyennement, avec un enjeu plutôt moyen, contrairement aux nôtres qui ont des forts enjeux sociaux, elles n'ont pas été proposées dans tous les pays du monde pour des raisons de sécurité. Donc, nous aussi, nous serons vigilants là-dessus et nous devrons mettre en place un protocole strict qui sera bien évidemment connu lorsqu'on nous proposera la solution. Mais une chose est certaine, c'est que, et je le répète, les centres d'examen seront et les examinateurs seront impliqués. En revanche, est-ce que ce sont les examinateurs du DELF et du DALF qui seront impliqués là-dedans? Oui, très probablement. Mais nous aurons besoin, en tout cas, de garanties. Celles que nous avons actuellement sont bonnes, puisque c'est nous qui avons pensé à ce dispositif. Mais nous aurons besoin, bien évidemment, de mettre en place un protocole bien particulier pour ça. Alors, les questions sont très, très pratiques et nous en prenons note. Merci beaucoup. Par exemple, Bruno nous demande si un DELF qui serait passé à domicile, il y aurait une mention sur le diplôme qui dirait examen réalisé depuis le domicile du candidat. Alors, je me permets d'insister, il n'y aura pas dans les prochains temps de DELF à domicile. On parlera bien d'une évaluation certificative à domicile, mais en tout cas, ce n'est pas a priori le DELF qui sera choisi pour les raisons que je viens d'expliquer. Savoir si la mention sera indiquée, alors les deux organismes certificateurs qui ont mis en place ont mis, oui, en fait, une mention sur l'attestation qui est été remise pour permettre justement aux autorités locales de décider si elles reconnaissaient ou pas la valeur de cette certification passée à domicile. Mais comme je vous le dis, ça sera à nous d'apporter les garanties à nos tutelles, à nos administrations, à nos ministères, pour que nous puissions
obtenir leur accord si nous-mêmes, nous sommes convaincus par la solution que nous allons apporter. Nous avons bon espoir, nous sommes en train de travailler, comme vous avez pu le constater dessus, on est déjà très avancé avec un pilote qui commence là à la rentrée. Donc, nous avons besoin, de garantir. Alors, j'allais te poser une autre question, mais je crois comprendre ta réponse. Est-ce que cet examen à distance depuis le domicile télésurveillé, pour son organisation, on pourrait le relier, l'interconnecter avec nos plateformes actuelles, Théo pour le TCF et Delphi pour le Delphi? Pardon, mon micro était fermé, mais je vais évacuer le DELF-DALF pour le moment. Interconnecter avec Théo, oui, ça pourrait être possible, mais ça va nécessiter des développements. Et c'est une question, bien sûr, très importante, puisqu'il va falloir que les centres puissent pouvoir gérer ces sessions, les gérer sur les modalités qu'elles connaissent actuellement avec, par exemple, TCF sur ordinateur. Elles devront passer sur un autre type d'outil qui devra être connecté, interconnecté avec Théo. De toute façon, il va falloir que la remontée des données des candidats arrive à FEI pour procéder notamment à la vérification des réponses apportées par le candidat, à la délivrance de l'attestation. Et donc au calcul de son score, de sa note, de son niveau. Et donc, oui. Alors après, est-ce que ça se fera avec Théo ou via un autre outil? Je ne sais pas. Si cet outil est incomplet, on devra l'interconnecter avec Théo. C'est une certitude. Peut-être une dernière question, puisque nous arrivons tout doucement à la fin de ce webinaire. Une dernière question, une question relative au calendrier des passations. Est-ce qu'on pourra imaginer une session en présentiel et une session en ligne en même temps, ou est-ce que les calendriers seront complètement revus? Alors, les calendriers pourront être revus en fonction des circonstances exceptionnelles qui arriveront. Je pense à des grèves par exemple, ou à une autre épidémie, ce que je ne souhaite et que personne ne souhaite, mais les calendriers particuliers pourraient être mis en place. C'est ce que d'ailleurs nous avons fait récemment avec le DELF, le DALF, le TCF dans la crise qu'on vient de traverser et qu'on traverse encore. Nous avons, bien sûr, dans des moments exceptionnels, nous devons faire preuve de souplesse et nous avons modifié nos calendriers. En tout cas, les centres étaient en mesure de pouvoir le faire. Ensuite, avoir des calendriers concomitants en présence ou à distance, bon, voilà, si nous mettons en place dans un lieu donné, sur un moment donné, une passation à distance, Normalement, c'est qu'il n'y aura plus de session en présence. Après, tout dépend du contexte dans lequel on le met en place, mais à la limite, oui, pourquoi pas. Merci Bruno, merci beaucoup. Merci également à Marie Rabin pour le traitement des questions et les réponses qu'elle a pu apporter. Vous l'aurez compris, c'est un vaste sujet compliqué et qui intéresse énormément, même passionnément, on a pu le lire. Et la réflexion donc de notre département ne peut que se poursuivre là-dessus. Pour continuer de vous tenir informés, connectez-vous, suivez-nous. Un article est déjà disponible sur notre site internet sur la question. Et puis, abonnez-vous à nos réseaux sociaux des certifications sur lesquels nous partageons des informations aussi bien pour les professionnels que pour les candidats. Merci beaucoup de votre présence, de votre participation, de votre implication et mobilisation. Rendez-vous demain pour le troisième webinaire de la semaine consacré à la reconnaissance des diplômes étrangers en France. Et joyeux anniversaire à France Éducation Internationale. À bientôt. Au revoir, merci.